Fallut 30 ans de vie pour se rendre compte que tous les vêtements de la maison étaient mal accrochés. Premièrement, un pull-over suspendu de cette façon, plus l'ourlet est long, et les épaules ont tendance à se gonfler. La bonne façon de l'accrocher est de le plier en deux. Le cintre est placé sous l'aisselle et soulevé. Une autre méthode consiste à faire passer l'ourlet dans le cintre. Les manches sont au milieu. Ensuite, soulevez-le. Deuxièmement, les pantalons suspendus de cette manière ont tendance à se gonfler. En le suspendant de cette manière, il glissera facilement. La bonne façon de suspendre un pantalon est de plier la jambe à travers le cintre. L'autre jambe de pantalon passe également dans le cintre. Si vous les soulevez, elles ne tomberont pas. Vous pouvez également plier les deux jambes de pantalon dans le cintre. Ensuite, vous pouvez passer le crochet dans la boucle de ceinture. Accrochez-le joliment et proprement. Troisièmement, le manteau est trop long pour être suspendu. La pile du bas est désordonnée et se froisse facilement. Pliez l'ourlet du manteau vers l'intérieur. Faites passer l'ourlet dans le cintre. Les deux côtés du cintre maintiennent les épaules. Facile à suspendre dans le compartiment des vêtements courts. Quatrièmement, les robes trop longues pour être suspendues prennent facilement la poussière. Placez un cintre au niveau de l'encolure. Pliez les manches et l'ourlet au milieu. Passez l'ourlet dans le cintre. Voilà, c'est fait. C'est agréable et soigné. Si vous ne l'avez pas encore appris, gardez-le dans votre collection.